Scratch Mine. Gens, c'est le killer, j'espère que c'est bien, mais en tout cas ça va hyper bien. Donc là on est sur une vidéo de mon terrain, donc voilà, j'ai mon VTT et les BMX, j'ai pas mon dirt tout ça, ni celui-là mon frère, non plus les autres. Donc là je suis accompagné de mon pote et mon frère, les cascadeurs, donc Antikiku Isidé. Et le bâtard à roulettes, donc je mettrai les liens dans leur description. Donc voilà, il y a une bosse là-bas, celle-là va là-bas. En fait, je vais faire des. Je sais pas comment expliquer. Mais voilà, celle-là fait à peu près 30 cm de haut. On se rend pas bien compte. C'est les reflets, je sais pas. Après, on a elle. 40-50 cm de haut. On se rend pas bien compte, hein, mais allez, c'est vachement beau. Bon, après, nous avons un Wayride, mais il est tout mouillé, tout ça, et la terre assez abaissée, alors, je sais pas. Et puis, après, on va être sale, donc. Donc, c'est très bien, parce que la terre, elle est gelée, donc c'est bien. Donc, voilà, pour l'instant, c'est notre caméraman. Tu peux mettre sur pause. Non, non, attends, je vais expliquer. Donc là, tu vas nous filmer sur la petite. On va la sauter chacun notre tour. Donc moi, je vais la sauter en premier comme d'habitude. Et après... Tu veux me passer mes gants? On va passer celle-là là-bas. Et après, on va faire un gros plan et je serai au trait tout avec mon VTT. Donc allez, tu peux passer quoi? Donc le killer va sauter la première bosse. C'est parti! Donc voilà, le killer a sauté la première bosse. Donc maintenant, c'est le bâtard à roulette qui va sauter la même bosse que le killer. Full ou vert ? Allez, bâtard ! Allez ! Non, mon avis, il a scrouté. Donc, comme le killer disait, à mon avis, il va scrouter. Ouais, Donc voilà, il s'est croûté, donc là on va passer... Il n'arrête pas à décoller sa roue. Donc là on va passer à la deuxième. Donc quand vous pouvez la voir. On fait comme si on avait un starter, comme ça. Ça me surpose là, non? Donc on fait une petite pause et on vous retrouve dans quelques minutes. Donc voilà, on est re-là, donc le killer va sauter... C'est parti. La bosse. Donc voilà, il a sauté, donc maintenant ça va être... Tout à l'heure, bâtard. Attendez, je vais vous dire, si tout à l'heure je suis en forme, je tente 360. Donc comme le killer dit, si tout à l'heure il est en forme, il tentera le 360. Donc s'il est en forme... Le 3-6, le but du 3-6, c'est en fait, on arrive, on essaie de se prendre, il y a vraiment un... Je sais pas comment expliquer, la bosse, le meilleur de la bosse, où vous préférez sauter. Vous le prenez en arrivant. Vous tournez juste un petit peu le guidon, en soulevant le guidon. Vous tournez votre tête comme ça, avec vos bras tendus. En fait, c'est tout dans les épaules. Vous tournez comme ça, toujours la tête en arrière. Vous faites ça. Et arrivez là. Donc, il va faire donc le killer va faire un 360 sur cette bosse. Donc, le risque de se faire mal. Donc, il a qu'un casque et des gants. Donc, là, ça va être au bâtard à roulette. De sauter. Non, il veut pas parce que c'est trop dangereux. Donc, le killer va tenir la vidéo, puis je... Non, attendez, on va faire un défi. Un défi. Donc, le killer tente, va faire un petit défi. Je mets sur pause et on vous retrouve dans quelques minutes. Re les gens, donc là, vous pouvez le voir, je vais essayer de sauter par-dessus ça. Donc, quand même un peu dangereux, on va se rapprocher un peu. Ouais, je vais essayer de faire ça. Donc déjà, à la base, moi, je fais ça. J'atterris de l'autre côté, donc je touche au milieu. Donc je sais pas à quelle hauteur je peux aller. Donc là on va le faire. Et si j'ai du courage, on fera en VTT aussi. Donc allez, c'est parti.
Ok, on va le tenter. Donc, on va faire une petite pause le temps qu'il s'échauffe et on se retrouve dans quelques minutes. Donc, voilà, le killer va sauter comme il voulait faire son petit défi. Donc, vous le voyez là-bas en train de lever les bras. Hein. Donc, il est en train de se préparer. On va se mettre en position pour bien voir le saut qu'il va faire. Donc, on se met en position. Donc, s'il y arrive. S'il y arrive, qu'il pourra faire le 360. Donc voilà, il a pas vraiment réussi. On réessaye. Il va réessayer. Donc on va remettre tout ça en place et on vous retrouve dans quelques minutes. Donc voilà, re les gens, c'est moi qui parle du coup. Merci. Re les gens, elle était un peu tôt. Donc voilà, j'ai un peu. Je sais pas, j'ai fait un autre truc. Je l'ai plus mis là-bas, le temps de bien décoller ma roue. Donc. Il a mis un petit truc derrière au cas où sa roue touche pour essayer que ça tombe pas. Encore plus, c'est encore plus dangereux. C'est bon là, j'ai pas mis encore plus dangereux. Parce que là, Antoine, j'ai pas mis tout ce que moi j'ai peur, c'est que ta roue à ce coin, c'est que tu tombes en avant. T'inquiète, mais par contre, ça c'est un peu trop. Mais pas le plan. Il va mettre le plot, donc le killer c'est un petit fou. Hein. Vous voyez, donc là, attendez. Antoine, je l'ai fait. Quoi ? J'ai pas piqué ma roue. Je l'ai fait sans. Attendez un peu. Il se prépare. T'es prêt, killer ? T'es prêt ? Après, ce sera un peu à toi de faire des figures. Donc, allez, go ! Là, il va commencer à sauter. Attendez. Parce que là, on va dire, il a une boule au ventre. Il a peur de se faire mal. Ah, c'est normal. Foulou ! Viens là. N'y va pas. Foulou. Yeah. La gueule d'Arsouille. C'est bon, j'y vais. Donc c'est parti, le killer avance. Donc il va arriver. Allez, vas-y. Oh, donc il a sauté. Donc le killer, on va dire, il est fier de lui. Hein. Ça, c'est lourd cette merde. Donc vous voyez, c'est quand même dur à sauter. Hein. Parce que c'est pour faut bien lever la roue pour aller devant. Donc on va se dire au revoir, je pense. Et on va. Non, Antoine. Non, continue. Mais là, oui, après, on a encore d'autres vidéos à tourner en plus. Et Antoine, faut que je rattrape mon retard. Là, on est en VTT en fer. Bon, maintenant c'est à Antoine de faire la course. En VTT, je vais le faire. Mais on va baisser un peu parce que c'est. On va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes. Donc voilà, on est re-là. Donc cette fois-ci, Lucky va faire toutes les bosses en VTT ou. Bah, il va, je pense, il va refaire son défi en VTT. Ouais, et après, on fera tout. Et après, il va tout faire d'un coup. Donc il va faire la première bosse là. Et il va sauter la deuxième d'un coup en VTT. Donc, je filme bien mon vélo là. Ouais, bien, il y a des belles suspensions. Donc il a tout. Donc on va laisser regarder pour le défi. Donc après il fera tout. Donc attendez. Je vais enlever le mini BMX. Donc, attends, je me mets en place. Go, c'est parti. Donc, il a réussi. Donc, cette fois-ci, il va faire la première. Là-bas, que... La première, il va la faire. Il va faire la... Donc, il va faire les deux d'un coup. Donc, je pense que cette fois-ci, ça va être un peu plus dur. Parce qu'il aura un peu moins d'élan. Pour faire les deux d'un coup. Donc voici le BG60, hein, on va dire. J'ai encore la boule au ventre. Il a encore la boule au ventre, je comprends pas. Tu l'as sauté, moi je serais fier. Hein. C'est rien, hein. C'est pas comme le Mont-Galon. En fait, ça fait peur là, c'est parce que j'ai plus l'habitude du Mont-Galon. Parce qu'ils ont été dans le Mont-Galon comme normalement. Tout... Ouais, la terrain. Plupart... Des personnes qui font du BMX ride, du mini BMX et du VTT cross savent qu'il y a un terrain de cross au Mont-Galon. Mais vu qu'il a été détruit, tout le monde est un peu dégoûté parce qu'il était bien quand même. Moi, je n'y ai jamais été. Donc, je sais comment je vais faire. Vas-y, saute!
Donc voilà, les deux à coup. Donc ça, on peut dire que c'est un petit BG. Donc, qu'est-ce que le killer on fait après? Tu vas faire quoi? Donc on fait une petite pause et on va retrouver en quelques minutes. Donc voilà, re les gens. Donc là, on est sur mon parking. Donc, mon parking. Donc il y a un peu de caisse. Donc s'il n'y a pas trop de voitures sur la nationale, donc on va aller plutôt vers la nationale. Donc voilà.